salut tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des Dragons, le souffle du dragon de la glace. Chapitre 12, feu et glace. Hilda se tient au milieu du vaste hall. Elle lève les bras dans les airs et fait jaillir des éclairs de magie du bout de ses doigts. La glace qui est emprisonnée choue et Zera se met à fondre. Celle dans laquelle était figée. Les personnes présentes dans le hall font elles aussi, ainsi que celles qui recouvrent les murs et les planchers. Cette glace ne fond pas en laissant d'immenses flaques d'eau. Elle disparaît tout simplement, libérée de leur prison en glace. Les gens se regardent, hébétés. Ils semblent sortir d'un long sommeil. Si dit Yann, le roi, la reine demande à Hilda de s'approcher. Hilda, ma magicienne, qu'est-ce qui s'est passé? Demande le roi. Ce géant des glaces est-il parti? Et d'où sort donc tout ce dragon? Je vais laisser Mina expliquer, répond Hilda en esquivant un sourire. C'est elle qui nous a sauvés. Mina s'incline devant les souverains. Mon roi Lard, ma reine Sigrid, je n'y suis pas parvenue seule, dit-elle. Vous voyez ici les maîtres dragons du royaume des Fougères. Je me suis rendue à fond de solliciter leur aide. Le roi Lard, ensemble, nous avons réussi à vaincre Goliath. Le roi Lard lève un sourcil. Yann trouve qu'il ressemble au roi Roland. Sauf que ce roi a une barbe blanche et non rousse. Et qu'il porte un habit brun et garni de fourrure comme le roi Roland. Est généreux de nous avoir envoyé de meilleurs maîtres de dragons, s'exclame-t-il. Yann échange un regard compliqué avec ses amis. Le roi Roland ne sait même pas qu'ils sont partis. Le roi Roland est heureux de vous avoir aidé, votre majesté, répond Rory en s'inclinant devant le roi Lard. Yann sait que ce n'est pas la vérité. C'est ce que l'on appelle un pieux mensonge, se dit-il. Je n'oublierai jamais une telle générosité, dit le roi Lard. Je vous en prie, restez, ajoute la reine Sigrid. Nous ferons un grand banquet pour célébrer cette victoire. En entendant le mot banquet, Beau sans son estomac grognit. Mais les maîtres des dragons savent qu'ils ne peuvent pas rester. Cela serait très agréable, votre majesté. Mais nous devons rentrer immédiatement au royaume des Fougères, répond Yann. Soit, répond le roi Lard. Les maîtres des dragons montent sur le dragon. Tu avais raison, dit Rory en s'adressant à Mina. Ce géant des glaces était un dur à cuire. Et ton vulcain est vraiment fort, explique Mina en souriant. Presque tant que Givre, je suis content de t'avoir connu, dit Yann en s'adressant à Mina. Mina lui serre la main très fort. Je n'oublierai jamais, répond-elle. Elle lève ensuite les yeux vers les autres maîtres des dragons, juchés sur leurs montures. « Je me souviendrai de toute ma vie de chacun de vous, » ajoute Mina. « Et si un jour vous avez besoin de mon aide, vous pourrez compter sur moi. »« Merci, » répond Yann en faisant un signe de la tête. Puis, se retournant vers ses amis, il invite à poser la main sur l'ombrique. Il s'exécute. « L'ombrique, ramène-nous à la maison, » dit-il en posant la main sur le cou de son dragon. « Au revoir !»